Mardi 3 septembre 2013, le collectif La Retraite, une affaire de jeunes, a tenu une conférence pour donner les positions des syndicats étudiants sur la future réforme. Ils regrettent notamment que le gouvernement ait choisi d'allonger la durée de cotisation à 43 annuités. 43 ans de cotisation pour des jeunes qui commencent à travailler aux alentours de 27 ans, le premier emploi stable, évidemment, puisque avant on a toute une période d'insertion professionnelle pendant laquelle on multiplie les petits boulots précaires. Le calcul est simple, pour liquider une retraite à taux plein, il faudra travailler jusqu'à 67 ans pour notre génération. C'est ça le message qui nous est envoyé. Désolé les jeunes, aujourd'hui vous êtes précaires, demain vous allez être au chômage et après-demain vous n'aurez pas de retraite à taux plein parce que personne aujourd'hui ne travaille jusqu'à 67 ans. Une réforme qui ne passe pas à tel point que le collectif appelle les étudiants à descendre dans la rue le 10 septembre prochain. Pour eux, la solution est simple, il faut octroyer des trimestres pour les années d'études contre une contribution symbolique des étudiants. On peut imaginer tout à fait des systèmes de cotisation symbolique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exclu. On peut imaginer que chaque étudiant cotise évidemment très peu puisqu'ils n'ont pas de revenus, mais à hauteur d'une somme symbolique pour sa retraite et que des droits à la retraite lui soient reversés ensuite. Marisol Touraine, qui avait qualifié la loi de réforme pour les jeunes, devra composer avec les revendications des syndicats d'étudiants. Reste à savoir combien ils seront dans la rue le 10 septembre, alors que la plupart seront encore en vacances.